Alors, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je m'en viens vous montrer deux nouveautés du massif. Ne faites pas ce que je m'apprête à faire, j'ai l'autorisation. Je m'assure juste de ne pas me faire voir par personne. Ça ici, yep! Les petites permissions spéciales, c'est tout le temps le fun. On s'en va faire la ping-pong. Alors, j'ai aucune idée ce que je m'en viens rouler. C'est une surprise pour moi autant que pour vous. Donc, le massif prépare encore une fois des nouvelles pistes. Aujourd'hui, la ping-pong. Il va y en avoir une autre qui va s'appeler la Fungi, qui est encore en construction. Et à la fin de cette vidéo-là, je m'en viens vous montrer la toute nouvelle, le gros bœuf. La toute nouvelle fin. Oh, that's nice! Woo! Oh my god, ça va être le fun, ça! Fait qu'à première vue, on a une petite piste serrée, rapide, en terre, avec des beaux petits sauts, des beaux petits berms. Ça. On va essayer de comprendre le flow. Oh my god! Donc, au moment de filmer ces images-là, elle est un petit peu molle. On m'avait averti que ça allait être comme ça. Elle est supposée ouvrir lundi. Je peux sauter ça. Oh, je peux pas trop le sauter ça. Oh my god! What? C'est donc bien malade! Ça fait que le massif en est à sa deuxième année officielle. Le domaine roulable a beaucoup grossi depuis les premiers jets, il y a de ça 4 ans. On commence à voir que l'équipe de Builder commence à prendre de l'expérience énormément. Oh my god, c'est donc belle fun! Wow! Ah, j'adore ça! J'avais eu deux super belles surprises ce printemps avec la cigale et la fourmi. Des belles petites pistes loamy rapides. Ça ici, on est dans le beaucoup plus serré. C'est donc ben nice. Donc, il n'y a pas encore de signalisation. J'imagine que c'est une bleue. Allez, on va pouvoir aller vite dans cette piste-là. Oh, wow! C'est donc ben nice! Donc, il y a des traces de pneus dedans. C'est notre équipe Sentier qui est en train de la tester. Voir comment elle va se rouler. La boîte. Oh my god! Et on finit. Ok, juste en haut de la Easy Rider. Wow! C'est donc ben nice! Ok, on s'en va dans l'expert à cette heure. Alors, la nouvelle section de la Gros Bœuf commence ici. On a une bonne slab à descendre. On fait attention à ce qu'on fait la première fois. Ok! Ok, ok, ok. Donc, dans le loam. Ouh! Ok. Et je vous avertis, ça se peut qu'il y ait des builders qui me crient après. Pas se poser, mais vous êtes au courant. Ouh! Ok. Ils sont en train de travailler dans la fin. Ils sont supposés être au courant que je vais passer. Mais mettons que vous entendez. C'est normal. Ok. Allô, allô. Yes.
Julien vous avait averti, hein? Julien vous avait averti que j'allais passer, c'est bon. Des fois j'entends « Ah, pas le droit d'être là! » Ouf, la slab! Super! T'as-tu, t'as des collègues qui travaillent? Hein? Oui, il y a un collègue qui est juste là-bas. Si vous faites attention, il est en train de faire un pont, là. Oui, je vais faire attention. Donc, mais... C'est bon, merci. Le reste, il est encore plus cool, là. Yes, thank you! Oh my God! OK. Oh my God! Ça serait quoi ta ligne favorite, ici? Sur le top, tu tombes ici. Là, t'as une séquence après qui comprend, c'est pas à peu près. OK. OK. Ah, c'est pas si mal. Merci beaucoup. Nice. Oh my God! On va swatcher d'un coup qu'il y a encore des builders dedans. OK, on coupe à droite. Comme vous voyez, Freeride Québec, c'est des exclusivités. Les pistes sont même pas encore finies, puis je peux déjà les essayer. Oh, c'est presque à la fin. On fait attention. Petite erreur technique. Merci Bashguard. Et voilà! C'était donc la toute nouvelle Gros Bœuf. Ouh! 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 Wow! Merci au Massif, merci à Julien. Yes! Ouh! Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Oh ouais, ça c'est de l'exclusivité.